et bienvenue. Nous sommes de retour dans un mobilhome. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Que s'est-il passé? Ah oui, c'est vrai. Nous sommes arrivés à la maison et j'avais dit que j'allais choisir sur ce qu'on devait faire. Et j'ai dit au final qu'on allait explorer un peu plus. Donc on va essayer de faire plusieurs endroits. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire honnêtement. Je voudrais aller là et la photo aussi. En gros, c'est ces trois endroits que je voudrais faire le surtout. Par contre, on voit strictement rien. On a froid. Ah, la dernière fois, oui, on s'est arrêté un peu brusquement. J'ai pas vraiment envie de les faire ceux-là parce que c'est vrai que si on en a besoin pour faire de la nourriture à la limite. Ah, c'est embêtant ce système. Aïe 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 aïe. Et oui, on avait perdu pas mal de vie la dernière fois aussi, parce qu'on est resté beaucoup à l'extérieur. Ici, il fait froid. Honnêtement, la crique lugubre est froide. Hein. On doit être honnête, la crique lugubre est assez froide. C'est embêtant qu'on ait toujours pas de lapin, là. Alors, on aurait pu faire ça et ça avant de partir. Mais comme j'ai dit avant de partir, moi, je ferai le loup. Ça, c'est obligé, parce que de toute façon, la crique lugubre, c'est pas vraiment l'endroit où on va revenir. Faire ça. Ah, histoire qu'il fasse jour. Voilà, très bien. On va voir un peu. Yes. Oh putain, je regardais le plafond. Ok, on est réchauffé. On est à moitié éveillé. C'est pas le... C'est pas la meilleure des choses. Bon, les calories, ça va. L'eau, ça va. On peut aller à droite ou à gauche. Je pense. Mais du coup, je vais pas pouvoir vraiment sprinter. Donc ça va prendre un peu de temps. Je crois qu'à gauche, c'est le plus rapide. Quand je dis à gauche, c'est à gauche par rapport à la carte. Donc dans ce sens-là, en fait. Mais encore une fois, on a un temps qui est tout pourri. Ah mais non, mais je peux pas partir. Ah non, mais je peux pas, là. Je pense qu'on va passer une journée à pas faire grand chose en fait. On va peut-être casser des choses et tout ça, faire du bois, j'en sais rien. Mais je vais pas pouvoir me balader en fait comme ça. Ok, très bien. En tout cas pas avec un temps pareil, c'est pas possible. Je le ferais bien si j'étais full vie encore. Oh mon dieu, blizzard maintenant. Yo. Sardines encore. Il y en a pas mal partout, hein, des sardines. Je vais être honnête. On va tout simplement rentrer. On va se mettre à l'abri du froid. Et on va passer notre temps. Aussi, une chose sympa ici, c'est qu'on a une corde. Donc techniquement, vous rappelez, j'avais déjà parlé de ça. Le fait que vous pouvez vous... désolé, hein, y a beaucoup de bruit. Mais vous pouvez plus ou moins vous fatiguer, en fait, via la corde. Non, je regardais si ça faisait moins de froid ou pas. Ou par contre, on n'a même pas chaud à l'intérieur. Ah, ça, c'est problème... Ouh, la vache. Mais sérieux, on est à moins 5 ici? La vache. Ok, là c'est violent, là par contre. Ok, là c'est violent, on va devoir rentrer. Fais chier, je veux pas encore perdre de la vie. Ça va, on va vite. Allez, 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 allez. Ok. Ouais, on va devoir être un peu bloqué ici. Je suis désolé si jamais l'épisode est un peu long. 2 heures. Allez, okay.
bien. On a encore du boucan, donc j'imagine que on a encore une tempête. On va peut-être devoir sortir la nuit, hein, honnêtement. On va peut-être devoir faire ça la nuit. Ouais, on a encore la tempête. Ça s'est calmé ou pas? Ah, ça a l'air de se calmer par contre. Faut attendre un peu qu'on ait froid. Non, moins 40. Quoique. Ah, peut-être que ça passe. Je voudrais rester à l'extérieur. Ici on n'a pas le... Ok, c'est bon. Ici on n'a pas le mal de l'enfermement en fait. Le mal de l'enfermement est vraiment un problème. J'avais oublié que... J'avais ça. Très bien. 96%, c'est bien. Batterie de voiture, on a de l'eau, on a de... On a encore pas mal de calories, ça fait quoi? 3, 4, 5, 6, ça fait à peu près plus de... un peu plus de 6000 calories, c'est potable. Donc on peut techniquement rester là sans rien faire pendant quelques jours. Deux jours. On est à 45 kilos, pourquoi on a 45 kilos? Qu'est-ce que j'ai sur moi? Ah, il recommence à faire froid. Oh mon dieu. Je me demande si c'est normal ou pas, honnêtement. Pourquoi il recommence à faire froid? Vraiment, le tank est aussi pourri que ça? Ça me paraît un peu exagéré, non? Qu'est-ce qu'on a là? Très bien. Donc pourquoi on est aussi lourd? On m'explique? J'ai rien de spécial, hein. Ah, c'est ça. Ça. On a quand même pas mal de choses à ramener. Hein. Franchement, je vais être franc, je vais vraiment pas m'amuser, moi, à ramener tous les objets comme ça. Il va falloir les sortir de la crique lugubre. Hein. Il y a trop de choses, en fait. Il va falloir absolument les sortir de la crique lugubre. Je vais devoir faire plusieurs allers-retours et tout ça. Ça va être vraiment, 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 vraiment. Je le ferai peut-être en stream à la limite. On est quand même très lourd, hein, je veux pas dire. Mais... Bon, après, on a le sac de couchage et tout. Bon, bon, du coup, on peut pas rester là, en fait. Ça, c'est un problème. Parce qu'on a froid. On ira dormir à l'extérieur par contre. On aura assez chaud. Mais on va devoir lire à l'intérieur. Enfin, je pense que je vais lire, de toute façon ça fait passer le temps. Ça fait passer le temps, ça, on se fatigue pas trop, on n'utilise pas vraiment grand chose. Et puis je dis pas non pour monter les niveaux de toutes les compétences. Enfin, même si techniquement on en a pas besoin nous, mais on sait jamais, hein, vous savez. Genre tout ça là. Genre ça et ça. Enfin, surtout, non, ça et ça surtout. Oui, il y a l'arme à feu fusil aussi. Bon, bah, j'ai rien dit, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ok, ça s'est calmé. Ouais.
Bon, bah, du coup, on rentre là-bas. On va peut-être lire encore à la limite une heure. Et après, on dort le plus possible. Donc, on peut ou aller là, en face, là, ou aller de ce côté-là. Alors, je sais pas vraiment qui est le plus proche. Je pense que les deux ont des maisons, en fait, parce que ici, on a... Ouais, mais j'ai pas dessiné. Mais ici, on a les maisons, là-bas, qui est juste devant, là, vous vous rappelez, avec l'ours. Donc, on peut se reposer là. En fait, on peut faire les l'un et l'autre, l'aller-retour. Et après, pardon, carte. Et après, on a ça, les mobilhomes, ici, et nous, on veut aller là. Donc... Les deux endroits ont des abris qui sont pas trop loin. Donc voilà. Ça c'est un truc à savoir. Donc ça c'est bien. Donc ouais, je voudrais au moins faire ces deux endroits. À la limite la photo c'est pas trop, c'est pas le plus intéressant, le plus important. On a chaud. Ouais. Alors, on va dormir. On va lire une heure. I need to find a place to rest. On va dormir. C'est un peu bête parce que là il fait beau, honnêtement. On peut faire un feu avec la loupe ici? Non, on peut pas. Est-ce que si je le fais à l'extérieur, ça marche ou pas? Ah putain, on peut pas ici. Ah, c'est ici. Ouais, ici, ok. On peut pas le faire à l'intérieur du bâtiment, sous le toit, ce qui est un peu normal. Mais bon, hein, vous savez qu'il y a plein d'endroits où on peut le faire alors que normalement on devrait pas. Donc ouais, vous pouvez faire un feu à l'extérieur comme je fais toujours et après vous l'amenez à l'intérieur. Ok, on fait ça, nickel. Et on va dormir le plus possible. 3 degrés, j'avoue que c'est pas énorme. 3 degrés du lit. C'est peut-être mieux de dormir dans notre sac de couchage. C'est peut-être nettement mieux de dormir dans notre sac de couchage. Alors attends, là on a une tempête ou on n'a pas de tempête? Bizarre, non on n'a pas de tempête et il fait pas très froid. Oh, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe. On a mangé tout le... l'ours... non, le loup. Ouais. Ok, donc on avait dit que... Ouais, 2 c'était trop, donc on va faire ça. Ok, c'est parti. Est-ce que je peux descendre là ou pas? Pas vraiment. Okay. Eux ils ont peur, ça va. Chaque fois faut faire le tour par là, c'est chiant. Je sais pas s'il y a un moyen. Enfin si, il y a un moyen de descendre mais il faut passer par le centre. Ah, on a froid hein, de ouf. Hein. Ah, c'est vraiment pas le fun ici. Hein. J'avoue que... Comme j'ai dit, hein, ça s'est bien passé, mais... Mais c'est vraiment, vraiment pas le fun. Pour l'exploration. Je peux passer comme ça? Ah, putain. J'ai décidé, on va aller au phare brisé. On va aller au phare brisé d'abord. Avec de la chance, on trouve des lapins. On est en pleine forme, on a récupéré beaucoup de vie. On va peut-être faire une pause d'abord au petit bâtiment là-bas, la pêche. Juste pour histoire de se réchauffer, évidemment.
Ouais, on va faire ça. Et après, direction le phare brisé, juste là. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas retourné à cet endroit. Donc, je vais être honnête, j'imagine que l'ours est de retour. Donc, faut faire gaffe. J'étais en train de penser à une mécanique qui pourrait rajouter en jeu. Ça serait intéressant. C'est tout ce qui est point de vue... point de vue transport, en fait. Je me suis dit... il y a des choses qui pourraient... Genre qu'on ait des poches un peu spéciales de... dans le sac. Où on attache mieux les objets. Vous savez, on les place bien pour que le sac soit équilibré et tout. Et du coup, on ressent moins le poids, en fait, de l'objet. Mais en contrepartie, on peut pas sortir l'objet. Il faut, genre, aller dans le sac et il faut, genre, passer une minute à le... ou deux minutes à le sortir du sac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme ça, on pourrait, je sais pas, mettre tout ce qui est lampe et tout ça. Genre, bien accroché au sac. Et du coup, ça pèserait moins lourd, mais on peut pas l'utiliser. Il faut, genre, aller là, faire double clic, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pensé à un truc comme ça, je trouve que ça pourrait être pas mal, en fait, cette histoire-là. Genre, on s'handicape à pas avoir les équipements prêts, mais... Attends, je regarde juste si j'ai pas laissé des objets par terre. Mais c'est moins lourd. Parce qu'on était parti super vite la dernière fois. Vous voyez, j'ai pensé à ça, je trouvais ça l'idée sympa, en fait. Je trouvais ça sympathique. Je pensais dormir, mais en fait, vu que je veux quand même récupérer de la vie, on va pas dormir. Très bien. Faut qu'on se fatigue pour qu'on puisse récupérer le plus possible. Vous voyez, ça pourrait être un bon système, je trouve. C'est assez équilibré. Pas de... C'est pas trop abusé. Genre, je sais pas, de 1 kg, ça passe à 0,5, par exemple. Ou même, allez, 0,7, 0,75, vous voyez. Ça pourrait être intéressant. Là-bas aussi, on a un endroit de pêche. On pourrait aller d'abord à l'endroit de pêche... avant de monter. Ça serait genre des skills, des compétences en fait à débloquer. Des compétences à débloquer avec, avec des niveaux d'endurance ou des trucs comme ça. Ce serait intéressant. Oh, il y a un truc là-bas à droite. Ça a l'air d'être un cadavre. C'est un cadavre ou une carcasse? Alors, est-ce que ici on peut avoir les choses qui s'échouent en fait sur la plage? Honnêtement, je suis pas sûr. Ah. Vu qu'on a un truc devant, je dirais peut-être, mais je crois que ça c'est un cadavre. Oui, ça c'est un cadavre, donc du coup il est toujours là en fait. Donc ça veut pas dire que on peut avoir des trucs échoués ici. S'il faut, ils ont codé que l'autoroute côtière. Hein. Seulement l'autoroute côtière, peut-être. Je serais pas étonné. Hein. Bon, on a froid. On va prendre ça. Peut-être faire un feu.
Aussi, j'avais l'idée d'un... En fait, c'est parce que je pensais beaucoup à débloquer des compétences, genre ce qu'on pourrait avoir. En fait, il y aurait tellement de petites choses. Genre, si on avait une compétence d'endurance, genre plus on reste des heures dans le blizzard, ou alors plus on marche et tout ça, et plus on monte de niveau, genre on a plus d'endurance et tout. Et après, on pourrait avoir des choses comme... on pourrait, genre, adapter une position... pour avoir moins froid, vous savez, être un peu, genre, je sais pas, tenir les bras proches du corps et tout ça. J'en sais rien, on pourrait faire tellement de petites choses intéressantes. Sans avoir à rajouter plein d'objets et tout, que ça soit pas mal. Enfin bref. Ah, c'est froid, c'est chiant. Honnêtement, on devrait faire un feu ici pour se réchauffer. Mais... alors, 2, moins 28, eh ben putain. On a une poêle ici. Je vais pas faire un feu ici, j'ai pas envie de gaspiller. Ce serait une allumette juste pour se tenir au chaud alors qu'on peut juste rentrer en fait, donc non. On va pas faire ça. Pas faire ça. Sac de couchage. Chaise. Quoi? Oh. Faudrait bien par contre dessiner, mais bon, on n'a pas trop le temps. Alors, je sais plus s'il y a quelque chose là de ce côté, je crois. Faire attention à pas tomber, évidemment. Et bienvenue, il y a R. Je suis le roi du monde. Il n'y a strictement rien. Magnifique. Dites-moi si j'ai oublié un truc, mais je crois pas. Je crois pas. Je vais un peu vite, hein, parce qu'on a froid, mais j'essaye de bien regarder partout. C'est possible que normalement il y ait des lapins dans cette île. Je m'en rappelle de ça. J'arrête pas de me bloquer sur le. Sur le sol là, c'est vrai. Bon, ben voilà, c'était bien. Complètement inutile, ça fait plaisir. Je suis certain d'avoir eu des lapins ici avant. Bon, là on est en aurore boréale, donc c'est normal hein, de pas en avoir. Mais c'est pour dire. Y'a pas de bois, rien, t'es sérieux? Putain, c'est nul. C'est nul de chez nul, dis-moi. Je fais full sprint, hein, c'est pour me fatiguer, qu'on ait encore une bonne nuit de sommeil. Là, on perd encore de la vie. C'est très très agaçant cet endroit. Très très embêtant. Vraiment pas fun. Bon, au final, on n'a pas grand chose à part du bois. Aucune chose intéressante. Bon, bah voilà. Mais d'un endroit de fait, c'est bien. C'était nul. C'était nul de chez nul. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la photo ou pas? La photo, elle est là. Nous, on est là.
Est-ce qu'on fait la photo et après on va ici ou... J'en sais rien. Un peu de vie. On n'a pas récupéré assez sur ce qu'on a perdu par contre. Donc faut penser à ça, faut faire attention. Faut faire un peu attention. Bon ça va, on n'est pas extrêmement lourd, on peut continuer. Joli temps, joli temps, joli temps. Alors du coup, je serais bien monté en fait, me fatiguer et tout ça, et on monte la corde et tout. Comme ça, on peut se reposer. Mais vu qu'on a un beau temps, enfin beau temps, on va s'en parler aussi. Ah non, c'est pas si mal en fait. Ouais, on va faire là-bas. Alors est-ce que je peux marcher sur la glace en fait? Je vais refaire tout le tour sur la glace. Je sais pas ça. On va voir. Pourquoi il y a des corbeaux juste là? Il y a rien. Ça a pas dû s'afficher, j'imagine. Ah, c'est il y a quelque chose. Okay, j'imagine que tout ça c'est safe. Se reposer là-bas. On a encore extrêmement froid. Ah, il y a le vent qui se lève. Ah, ça commence. Oh là 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 là. Vous avez vu? Pas de plumes? C'est quand même fou, hein, ce système. La crique lugubre est complètement... encore une fois, je suis désolé, mais à chaque fois j'en parle. Hein. Elle est complètement buggée. Il y a très peu de plumes. Très étrange, il y a vraiment des problèmes de plumes. Ah putain, on a encore un blizzard qui se lève. Did I say I hate being cold? Because I really do. Ah ouais, non, mais on a encore un problème de plumes, un vrai problème de plumes ici. Encore un bug à rajouter à la liste. Honnêtement, ça devient, juste petite parenthèse, ça devient un peu agaçant, tout le temps de faire des reports de bugs. Honnêtement, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue beaucoup. Hein. On va se réchauffer une minute là-dedans, puis après, on va aller à notre camp. On va... je sais pas trop, en fait. On devrait passer le temps, mais je sais pas quoi faire. Techniquement, on peut faire du feu sans utiliser d'allumettes, mais ça nous servirait à rien. On n'a pas de viande. On a ça, le sac de couchage. Alors maintenant, on peut faire que le recycler, mais, en fait, non. Maintenant, le mieux, c'est de le garder pour le transformer. Il faut un établi. Ouais, non. Attends, il est où? C'est dans quoi, les sacs de couchage? Là-dedans? Ah, tu peux le faire à la main. Ouais, 10 duvets, je pourrais le transformer. Ouais, ça aussi, c'est bien de les garder maintenant, les sacs de couchage abîmés. C'est bien de les garder. Je sais pas quoi faire. Ok, on va aller au... J'attends que mon endurance soit pleine. Ok, go. On va à notre camp, comme ça on est à l'extérieur. Enfin, techniquement, on pourrait... J'en sais rien, en fait. Enfin, je voulais me mettre là pour, déjà pour déposer tout ce qu'on a là, bois. Très bien.
Ça. On peut réparer nos vêtements. Est-ce qu'on le fait maintenant ou on attend vraiment de partir? Ça, c'est toujours la question que je me pose. Après, ça s'abîme très lentement. Je dois avouer, ça s'abîme extrêmement lentement. Donc, techniquement, on peut le faire maintenant. Est-ce qu'on a d'autres choses à poser? On a eu des hameçons. On a eu ça. Deux heures vingt, c'est long, mais bon. Ok, nickel. Normalement, ça doit être à 100%, ouais. Je pense que... Là, on a réparé quoi? 40%? Je pense que ça doit être 50 ou 60% réparé. C'est un peu comme le sac de couchage. Enfin, je pense que ça, tout ce qui touche ours et tout ça, ou gros animal, genre élan et tout ça, je crois qu'on répare énormément. Parce que le sac de couchage, pareil, j'ai dû réparer, je crois, 60% avec une peau ou un truc comme ça. Okay. Trois litres, toi t'es plein. Attends, ça on est pas full. Je peux pas prendre deux morceaux de viande, sinon on pue la barbaque à cause de ça. Là. Ok. J'ai pas trop froid. Ça va, ça va. Ok. On est full calories et on a de l'eau. Et on a de l'eau. Techniquement, on pourrait aller là-bas. Bon, par contre, sans rien voir, c'est chaud. Je vais être franc, sans rien voir, c'est chaud. Je vais regarder la map deux secondes. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le faire en deux fois. On est là. On peut s'arrêter là. Et après, on visite ici. Je vais être franc, il n'y a sûrement rien. Sûrement rien. Ah, les baskets! Je les ai toujours sur moi. Bon, c'est pas très lourd de toute façon. On va faire ça. Je bois et mange souvent, c'est surtout pour baisser mon poids en fait. Ok. Ouais, on va aller s'arrêter au mobilhome. On n'est pas assez fatigué par contre. C'est un peu le problème. Je passe par là ou là-bas? Non, on va passer par la route. Vu que je vois rien, j'ai peur qu'on tombe sur la glace. Et je sais que sur la glace, il y a des... De ce côté-là, il y a beaucoup de loups, en fait. De ce côté-là, il y a quasiment rien. Les loups ont toujours un peu le même endroit, en fait. Se mettre. Et là, on peut monter sur les... sur les trucs. Sur les containers. Hop. Ouais, le fait de rien voir, ça va être un problème. À la limite, on peut se fatiguer et courir et dormir dans les mobilhomes. Il nous reste pas beaucoup de vie à récupérer. Oh, on n'a pas froid du tout. Regardez le temps, putain, pour une fois. Mais là, on a... Oh, ça, c'est embêtant, ça. Ça, c'est embêtant, ça. On n'est pas trop fatigué, donc ça va. Non, c'est par là. Je vais d'abord passer le... On n'est pas trop fatigué. Putain, mais je vais me perdre. Je vais me perdre dans cette bouillie. Ça va être la galère. Je suis pas trop confiance, en fait, à y aller comme ça. Je suis pas trop confiance.
Ah ouais, non, mais on voit rien de rien, quoi. Non, 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 mais là, là, on va, là c'est la perte, là. C'est là, là, on va se perdre, et si jamais on se fait attaquer, on va même pas les voir venir et tout, les loups. Non, laisse tomber. On va pas y aller. Non, on va pas y aller comme ça. On va attendre ici. Ah, ça, c'est embêtant, hein. Là, on a un beau temps. Je regarde si on n'aurait pas loupé des petits objets, des fois. Toujours pas de clé aussi. On devrait... Parce que je crois qu'on avait trouvé une boîte à ouvrir ici. Je me rappelle plus si on a trouvé une boîte. Ça devrait être sur la carte si on a trouvé une boîte, non? Je me rappelle plus du tout. Non, je me rappelle plus. Ouais, non. Non, 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 on va pas faire ça. En paillette. Laisse tomber. Tu vois rien. Les loups, ils vont faire que nous tourner autour. Ça va être une galère pour les tuer. C'est mort. Laisse tomber. Limite, j'aurais dû prendre le livre pour lire. Pour passer le temps. On y va pendant la nuit. Là, on peut y aller pendant la nuit. Je vais voir s'il n'y a pas un peu de d'autre chose pour passer le temps. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, 6. Je dis pas non, je dis pas non. Bon, techniquement ça se passe bien, c'est juste qu'il faut faire attention. Ah bah ouais, c'est pas très loin en plus, hein. C'est pas très loin. Bon bah du coup on va dormir avec de la chance, le temps devrait être ok. Je vais en profiter peut-être pour faire une petite pause par contre, parce que sinon je vais peut-être pas pouvoir finir mon épisode. En paix en tout cas. Je sais que j'aime pas trop faire ça en plein milieu d'épisode, mais... la vie est problématique des fois. Ok, on va dormir 5 heures. Ok, 5 heures ça devrait être pas mal. Ouais, 5 heures. Et on est de retour, désolé pour ça. Normalement j'ai coupé et tout. On a encore une aurore boréale, ça va, c'est cool. Du coup on verra quelque chose. Techniquement, j'ai envie de dire techniquement il fait pas trop froid, mais on a vu qu'ici en fait il faisait froid, peu importe. Allez, c'est parti. On n'est pas totalement soigné et on n'est pas totalement à fond en endurance, mais ça devrait aller. Ok, c'est pas très loin, allez on y va. Alors, est-ce qu'on voit des bestioles? Non, je crois pas. Pour l'instant... ça a l'air d'être ok. Oh, là-bas, là-bas. Oh, je vois des trucs. Si, si, là-bas, là-bas, là-bas. Il y a une meute, là-bas. Ok, go. Il y a une meute, là. Je sais pas, on voit des fois les lumières, un peu. Ouais, là-bas, il y a 3, 4... Là, il y a une grosse meute, ok. Marche. On va essayer de pas se faire attraper par la meute. Par contre, j'ai l'impression qu'elle se déplace. Est-ce qu'on la voit un peu mieux, là? Vous voyez ou pas? 1, 2, 3, 4. Ah, il se déplace vers là-bas, ça va, pour le moment, c'est cool.
Pour le moment, c'est cool. Bon, il y a quoi ici? Parce que honnêtement, je me rappelle pas s'il y a un truc intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Pas de bâtiment. C'est quoi ça? Une grotte ça? Ou c'est juste. Non, c'est déconnant. Est-ce qu'en dessous, est-ce qu'il y aurait une grotte en dessous de moi? Ah putain, il faut retomber. Ok, ils vont par là-bas. Normalement, c'est un peu où? Ok, attends. On va se bouger le cul. Ah, par où je suis monté, quoi? Sérieux. Là. Ok, ils sont là. Okay, normalement, ça va. On devrait pas être à portée. Y'a quoi, là, dans la crevasse? C'est une grotte, ça? J'arrive pas à distinguer. Je comprends pas ce que je regarde. C'est une grotte, ça? C'est une grotte. Oh, ça c'est bien. Ouh, première fois que je trouve ça là. Techniquement, on pourrait dormir une heure ici, je pense, histoire de se réchauffer. On peut faire ça. Je dirais pas non. Je vais voir si on peut pas faire ça aussi. Ok. Pas mal. Ouais, on va dormir une heure histoire de se réchauffer, même si, comme j'ai dit, j'ai pas envie de me reposer, parce qu'il faut que je sois très fatigué pour pouvoir récupérer beaucoup de vie, mais là c'est pour éviter d'en perdre en fait. Donc, alors, j'espère que les machins. Attends, j'ai bien pris. J'espère que les machins n'ont pas bougé. Ils sont toujours du côté gauche, loin. Ok, j'en vois un, là en plein devant. Et par contre, là je suis un peu bloqué. C'est trop haut. Oh merde. Attends, faudrait que je prenne de l'altitude. Ouais, ok, non. Bon, on est bloqué. Ouais, on est bloqué en bas. Ok, nickel. Regarde là ou pas? On en a eu que deux qui nous ont flairé, donc ça va. Faut faire attention parce que là. Ouais, non, là y a rien. Là y en a qui viennent vers là. Bon, allez, cassos. Fait un peu chier à chaque fois de les tuer. Genre dans des endroits pas possibles, on sait très bien qu'on va pas rester là. C'est un peu de la perte, mais bon. Comme ça. Bon, on va faire le tour et on retourne dans les mobilhomes. Alors là-bas, je crois qu'on peut pas y aller. Je suis pas très sûr. Ou c'est le pont là-bas, le pont qui est brisé. Je me rappelle plus.
Oh, cette lumière, c'est ouf. Pas mal, ça. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'était joli, ça. Ouais, ouais, on y va. Pour une fois, on a un peu de chance. Mais honnêtement, je crois que c'est parce qu'on a surtout réparé notre manteau en peau d'ours. Je crois que c'est surtout ça. Ouais. Qui fait qu'on n'a pas trop froid. Ah, le pont, il est là. Ok, fais voir. Ok, ils sont pas trop loin. Donc, faut faire gaffe. Je sais pas si je suis pas trop loin de la rive, là. Est-ce que je peux remonter? Évidemment, il y a du vent. Est-ce que je peux remonter de ce côté ou il faut que je passe par là? Ça, c'est chiant. Aussi, ça, c'est un peu le problème de cette zone. Des fois, on sait pas par où on peut remonter. Et du coup, on essaye de bifurquer pour prendre d'autres approches et du coup on tombe nez à nez avec les loups gris. Et c'est un peu le problème. Genre là, là c'est... Non, là c'est va te faire foutre. Je sens qu'on va les aggro. Ah, on est bon. Ok, nickel. Ok, parfait. Ça va, on n'a pas pris trop cher. Ça va, c'est bien. Je suis content. Bon, on n'a rien vraiment amené, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok. Pas trop pourquoi je passe mon temps à coudre. C'est un peu le seul moyen que j'ai pensé pour passer du temps et c'est utile. Et merde. Putain. Ah, fais chier. Et c'est utile donc, ouais. Vu qu'on peut pas trop transformer les aliments maintenant, c'est peut-être le mieux à faire en fait. Alors, on fait 6h, 7h. Ok, très bien. Ok. Donc là, on va rentrer au camp, on va se vider les poches. Ah, on est full vie, ça va très bien. Bon, ben ça s'est très bien passé, notre petite aventure. On a fait les deux lieux que je voulais. Maintenant, il reste plus que la photo. Je suis pas vraiment certain que ça soit... Qu'on puisse le faire facilement. On va voir. Sort l'arc juste au cas où, mais normalement ici ils ont encore peur. Ouais. Mais vu qu'il est tout seul, je crois que minimum faut qu'il soit deux, du coup, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Et je crois que la barre des loups gris, en fait, c'est la moitié du groupe que vous combattez. C'est-à-dire que s'ils sont deux, vous en tuez un, hop, c'est bon. Enfin, vous en blessez un même. Juste blessé, je crois que ça compte. Et vous les faites partir. S'ils sont 4, il faut en faire 2, etc., etc. Alors, très bien. Parfait. Ça.
nickel. Ça. J'essaye d'aller vite parce que je voudrais quand même faire la photo en fait avant qu'on se quitte. Alors je crois que je vais faire ligne droite vers la photo. C'est un peu bête mais je crois qu'on va faire ça. Je voudrais la montrer en fait. Après si c'est pas l'endroit où je pense, bon bah c'est pas grave. Ok, parfait. Fait froid ou pas froid? C'est pas mal. Je suis en train de bouffer toutes les réserves de viande qu'on a, ça c'est chiant. Par contre, à la limite, il y a un côté chiant de combattre les loups gris. Là, on le voit en fait, hein. On le voit facilement. C'est le fait que, bah du coup... On va garder le livre sur nous. Du coup, on a un peu le problème de si jamais on les a tous mangés, il faut aller chasser d'autres groupes, en fait, de loups gris. Parce qu'ils vont vous fuir à chaque fois. Donc vous pouvez pas vraiment chasser. Les machins, ils vous voient de super loin et à chaque fois, ils partent. Donc c'est la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le problème du loup gris, à la limite. Il faudrait pas trop que je me fatigue si on doit prendre la corde. Mais bon, après, je peux dormir. Je vais être franc, aller faire la photo maintenant, c'est complètement bête. Parce que je compte pas partir, vraiment. Du coup, ouais, c'est juste une perte de temps. Merde, putain, c'est de ce côté, fait chier. Du coup, ça va être une perte de temps et de ressources, là. Mais bon, on peut se permettre. On va dormir une heure. Ouais, non, le... Oh ! Sérieux ? Putain, maintenant je trouve des lapins. Putain. Nique-toi. Ah, mais je peux pas les faire maintenant, les lapins. Non, j'allais dire, j'allais me reposer en fait, me réchauffer dans le mobilhome, mais en fait non, parce que le mobilhome il est là-bas, celui-là là. Là on doit prendre la. Là, il faudrait aller se reposer là-bas. Ah, fait chier! On peut se réchauffer et dormir là ou pas? On peut faire ça une heure. Non, on peut pas. Ah, techniquement, oui, mais on va quand même avoir froid, donc au final, c'est pas vraiment très intéressant. Jesus, it's cold. Ah, ça m'embête. Je voudrais pas perdre de la vie. Allez, on va faire une heure à droite, la maison de droite, là. Et après, on prend la corde. Ah, c'est très embêtant. Putain, on a enfin trouvé des lapins, quoi. Pourtant, j'étais sûr d'être... Après, ils sont vraiment en contrebas, donc peut-être qu'on les a pas vus. On va dire qu'on les a pas vus. Parce qu'ils étaient trop en contrebas quand on est allé fouiller. On va dire ça. It's a goddamn freezing. Allez, 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 allez.
On va dormir une heure. Ok, nickel. On va dormir une heure, histoire de se réchauffer et se reposer. Puis après, on monte la corde, on fait la photo et ce sera la fin de notre épisode. J'espère qu'il n'y aura pas de blizzard, rien. S'il vous plaît. Ah non, du vent. Non. Dans la mauvaise direction, plus comme d'habitude. Ça, c'est un blizzard, ça, qui arrive. Pertin, c'est tout le temps du blizzard quand il y a un peu de vent ici, c'est une horreur. Faut pas trop que je me fatigue. Bon, après, je peux toujours me reposer en hauteur, hein, c'est pas trop grave. Mais bon, ça fait un peu chier. Ah, à la limite, j'aurais dû prendre des objets pour les mettre en haut, mais bon. Comme j'ai dit, je vais peut-être pas repasser par les cordes. Je vais peut-être passer par Muskegmond quand je partirai. Mais comme j'ai dit, je vais peut-être... Enfin, j'en sais rien. Il n'y a pas grand-chose, en fait, à la crique lugubre, au final. Enfin, non, si, si. Non, c'est des conneries, ce que je viens de dire. Si, il y a beaucoup de choses. Genre sardines et tout ça, il y en a plein, des boîtes et tout. Et on a récupéré pas mal de conserves et tout ça. Et j'en ai déjà ramené, en fait, énormément. Donc, ouais. Mais il y a les batteries vraiment à sortir, en fait, d'ici. Et ça m'embête. Ça, il va me falloir plusieurs allers-retours, en fait. Il va me falloir plusieurs allers-retours. Au moins 3, je dirais. Le premier, ça serait pour ramener tout le bordel, les conserves, les trucs un peu au hasard, comme ça. Le deuxième, ce serait pour la première batterie, et le troisième pour la deuxième batterie. Donc il me faudrait au moins 3 allers-retours. Donc ouais, ça c'est un problème. Enfin, ça va me prendre du temps, quoi. Je pense que je ferai peut-être un stream sur The Long Dark pour ça. Je vais pas le faire en épisode parce que c'est des allers-retours, c'est pas vraiment intéressant. Ouais, on fera ça. Comme j'ai dit, de toute façon... Ah, il y a des loups à droite. Il y a des loups devant moi. Merde. Ouh, il y a beaucoup de loups devant moi. Il y a un peu le système de regarder un peu sur le côté, parce que vous avez remarqué que quand on les fixe, ils font un détour. Putain, j'ai raté la corde ou pas? Non, c'est bon. Quand on les fixe, ils essayent de nous contourner, en fait. Ils nous attaquent pas vraiment de face. Donc vous les regardez du coin de l'œil, comme ça ils essayent, vu qu'ils sont pas complètement en face de vous, ils essayent de vous foncer dessus. Et là, hop, vous tournez et vous tirez. Faut être rapide et bien visé, hein. c'est pas facile, hein, mais bon, vous pouvez le faire. Et je vais être méga fatigué de ouf, regardez ma barre, quoi. Chut. Inutile ce que je fais, inutile. C'est pas grave. On a du charbon au moins. Ça serait un peu con qu'on ait pas de charbon, tiens. Allez, go. On va pas s'arrêter. Je vais devoir dormir comme un idiot encore. Allez, bouge tes fesses. Elles sont chiantes, ces cordes. Non, je vais pas les prendre. Si jamais je ramène beaucoup de matériel, laisse tomber, je les reprends pas. Parce que c'est trop la merde, ces cordes. Grave la merde. Ouais, grave la merde. Elles sont trop hautes.
Et les deux sont comme ça. Hein. Trop. C'est vraiment trop. Okay. On va dormir 3 heures parce qu'il est midi. Il est midi, donc 3 heures pour qu'on soit plus ou moins quand même en bon état. Il fera encore jour, donc on peut encore dessiner, ça va. Donc ouais. En fait, techniquement, je pourrais y aller maintenant, mais... Enfin bref. Ah tiens, à la limite, vu que je suis là, je crois que j'ai laissé des choses en haut. Je sais plus si je les avais ramenées ou pas. Quand on avait fait notre niveau de farm, notre épisode de farm. Ah non, si, j'avais ramené toutes les choses. Ok. 3 heures. Ok, très bien. Ok, il fait encore bon. Il fait un peu de nuit, mais ça va. Pas le temps de boire, de manger. Il faut qu'on avance. Ok, très bien. Hop. Par là, ouais, c'est par là. Ok, donc si je dis pas de bêtises, je pense l'avoir déjà fait, hein. Là. Ce Polaroid dans la crique lugubre. Enfin, pas maintenant, je parle, hein. Je parle dans les autres saisons, évidemment. Je pense déjà l'avoir fait. Je pense que ça doit être derrière l'antenne, j'imagine. Antenne radio Echo One. Ouais, c'est là. Tada! Wow! Ah oui, là c'est... Oui. Ah oui, puissant! Puissant, pas mal. Là, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup. Je repars dans la tour et je vais dormir et ce sera la fin de notre épisode, pas la fin du run, évidemment. Donc le prochain épisode, que ce soit pour la... Ouais, Blizzard, ça y est, ça commence, c'est cool. Donc le prochain épisode pour la survie du week-end, ce sera, comme j'ai dit, sûrement, on partira donc... Repartira, j'ai envie de dire, même pour donc l'aérodrome. Hein, je crois que ça va être ça. Je crois qu'on va faire ça. C'était à droite ou à gauche? Oh, ce vent de merde! Oh, c'est vrai que la crique lugubre, c'est quand même de la merde, hein, j'avoue. Oui. Au final, je retire tout ce que j'ai dit de positif. Non, la crique lugubre, c'est chiant. C'est très chiant. Donc ouais, prochain épisode de la survie du week-end, ça va être retour à l'aérodrome. On sera sûrement genre au lac mystère. Et on fera du lac mystère jusqu'à l'aérodrome. On refera encore ce passage-là. C'est pas très compliqué, c'est pas très long non plus. Donc je pense que ce serait une bonne chose de faire ça pour le fun.
Et du coup, quand on sera à l'aérodrome, on va donc encore une fois enquêter de nouveau sur les signaux. Et on, techniquement, on finira du coup, j'imagine, l'histoire. Voilà. Et entre temps, je pense qu'il y aura des épisodes de farm et discussion. Où je fais genre la crique lugubre, ou alors le retour au lac mystère. Enfin voilà, quelque chose quoi. Peut-être même un stream ou un truc comme ça pour passer le temps. Les gens aiment bien les streams sur The Long Dark apparemment. Les gens aiment bien avoir des critiques constructives, attention, constructives sur The Long Dark. Pour ceux qui suivent pas trop l'actualité de The Long Dark, au moment où je vous parle, ça va faire 2 ou 3 semaines, je crois, maintenant, que la mise à jour est sortie. On a eu un seul fixe pour le moment, il reste encore plein de problèmes. J'ai envie de dire. Donc ouais, c'est un peu... C'est un peu la galère. Bon, c'est jouable maintenant, mais bon, il reste quand même pas mal de petits problèmes, faut l'avouer. On va faire ça, comme ça on finit. Ah, j'ai pas bu et mangé. Yeah, fabrication de munitions, niveau 3. J'aime bien ce bruit. Ce bruit est cool. Fabrication niveau 3, ça nous donne quoi? Qualité de munitions fabriquée 60%, 70% de chance de récupérer un composant de munitions. Je sais pas si c'est... Non, ça doit pas fonctionner en faisant des bombes. De toute façon, ça sert à rien. Revolver. Revolver, on n'a pas de livre. Peut-être que j'en ai pas lu après. Raccommodage, ça va, on monte petit à petit. Mais on n'a pas beaucoup de livres pour le raccommodage. Pêcheur la glace, j'ai réussi à monter au niveau 3. Faudrait que j'en fasse plus. C'est bête hein, qu'il y ait autant de compétences en fait qui soient inutiles dès qu'on passe en intrus. Ça aussi, c'est un truc, c'est toujours, c'est jamais vraiment très bien équilibré. Hein. Ce jeu a jamais été bien équilibré de toute façon. Mais pour parler 5 minutes de ça, vous savez que quand on est en intrus, genre par exemple, ils ont fait 3 revolvers. Donc en tout, techniquement, il y a 4 revolvers. C'est débile. Et quand on passe en intrus, bah, du coup, vous en avez 0. Voilà. C'est complètement con dans un sens, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais même pour les compétences, maintenant que j'y pense, quand vous passez en intrus, il y a quand même 3 compétences en tout qui ne servent plus à rien. Arme à feu, fusil, ne sert plus à rien. Arme à feu, revolver, ne sert plus à rien. Fabrication de munitions, pareil, ne sert plus à rien. C'est quand même un peu impressionnant hein, quand de changer une difficulté, vous arrivez à 3 compétences qui ne servent plus du tout à rien. C'est vraiment mauvais, hein, c'est vraiment mauvais hein, quand on y pense. Hein. Limite, on peut enlever énormément de compétences. Genre ça, on peut l'enlever, ça, on l'enlève. Raccommodage, c'est bien. Même si c'est extrêmement long à monter, c'est un des pires. Ça, c'est les 3 principaux. Ouais, non, c'est un peu étrange. C'est vrai que j'avais jamais vraiment trop pensé à ça, mais... C'est un peu abusé de se dire que on change de difficulté et il y a quand même 3 compétences qui sautent. C'est fou, quoi. C'est assez fou. Non, enfin bref. En tout cas, on va s'arrêter là. Ce sera donc notre dernier petit épisode pour la crique lugubre. Comme je l'ai dit, donc prochain épisode sûrement en route pour ça. Pour faire le signal du vide. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. On va dormir 10 heures histoire de que je sois à fond. Ça va, il me restera 1000 calories. Moi, je redescendrai, j'irai au camp, etc. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao!